On apprend tous les jours avec un cheval. Il y a tout le temps une part d'imprévisible. Il faut être en permanence à l'écoute, sans jamais l'écœurer. On ne peut pas avoir des performances tout de suite avec un cheval, parce qu'il faut apprendre déjà à connaître ses défauts, ses qualités. Les chevaux que nous avons ici au Haras des Grands Champs, ce sont des chevaux de saut d'obstacle. Ce sont des chevaux qui ont beaucoup de force, très intelligents, des chevaux qui acceptent le travail. Donc voilà, ce sont des chevaux d'exception, ce sont des génies. Dans la discipline de l'endurance, on passe beaucoup de temps avec notre cheval. C'est vraiment un couple cavalier-cheval qui est très fort. L'endurance à cheval, le principe, c'est d'arriver à parcourir la plus grande distance le plus rapidement possible. On demande au cheval un effort qui est très long, puisque sur une course de 120 ou 160 km, le cheval va travailler pendant une dizaine d'heures. C'est vraiment une discipline où le respect du cheval est très important. Ça reste quand même une épreuve sportive. C'est le premier qui passe la ligne d'arrivée qui gagne, donc il y a quand même une histoire de chronométrage. L'entraînement que l'on fait tous les jours, ce sont un peu comme un pianiste fait ses gammes. Entre chaque obstacle, on doit apprendre au cheval ou accélérer ou freiner pour que le cheval décolle à l'endroit très précis. À 5 cm trop près d'un obstacle, on peut faire la faute. Ça, c'est quelque chose, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à la maison. La différence se fait au millième maintenant pratiquement, et donc il faut travailler ses chevaux, mais avec une vitesse poussée à l'extrême. À Chantilly, dans le travail quotidien du matin, on entretient la condition physique. Je dis toujours à mes apprentis, quand ils commencent à monter en course, de bien penser à souffler, parce que quand le cavalier souffle, le cheval aussi. Faire confiance à son cheval, l'écouter et voir un peu ce qu'il propose est quand même un atout qui peut faire gagner beaucoup de courses. Ce sont avant tout des courses de chevaux.